Mesdames, Messieurs, merci de votre attention particulière accordée sur nos antennes. Plutôt bienvenue à cette édition du journal à la une de l'actualité. Certains habitants de la ville de Kalemi qui réclament la restitution de leur parcelle dans le village Mouni se sont livrés au micro de la RTGT ce mardi 19 septembre 2023. Ces concessionnaires qui se disent victimisés demandent l'autorité provinciale à s'impliquer dans cette affaire pour trouver un climat de paix. C'est un reportage de Milingano Yango Marcelin et Dieudonné Balanga Hardy. On est loin d'en finir avec le problème parcellaire dans la ville de Kalemi et ses environs. Pas plus tard que dans la journée de ce mardi 19 septembre 2023, certains habitants de la ville de Kalemi, propriétaires des quelques parcelles dans le village Moni, se sont plaints au micro de la radio ainsi que télévision Grand Tanganyika et se sont dit victimisés. Mukota Kingombe, l'un des ceux qui se sont procuré une concession dans cette partie de la province, a déclaré ce qui suit. 2012, à Kaoujisha, ça n'a pas ça, ouezo. Alors, Kufika 2020, la mini Kaouza. J'avais acheté cette concession en 2020 et deux ans après, j'ai commencé à construire quand tout d'un coup, à mon insu, un certain Jamarque de la police foncière était venu ici. Il avait même arrêté ma femme qui avait passé plus de trois jours dans le cachot. Claré, Jamarque, quand madame, on a comme tout, pas comme trois jours, mon prison, mon absence, c'est Ce que nous demandons à la gouverneure de province, ce n'est pas faire le sourd quand la population lui demande de faire quelque chose de si important. Ça nous fait énormément mal au cœur quand nous perdons ce que nous avons obtenu de notre propre sueur. Parcelle Kangu, Mourenya Kisekedi, Ndaloma Nikajengi, Koni Grasse Kisekedi n'a pas de parcelle. Lakini wakati niko na parcelle Kangu, nakia kunyanganywa mu mandat ya président wetu, ndachukia kabisa. Kabulo John, coordonnateur provincial de la CNDH dans le Tanganyika, s'est déjà imprégné de la situation et a promis d'ester une action en justice pour que ces paisibles citoyens reprennent leurs concessions. Je suis saisi de la situation. Je récite toutes ces personnes-là dans mon bureau. Elles sont venues se plaindre de cette spoliation par ces messieurs-là. Nous regrettons vraiment, nous regrettons que cela puisse être ainsi. Le conflit foncier dans la province du Tanganyika cause de sérieux problèmes. Vous savez que c'est le Tanganyika, c'est une nouvelle province où les chefs coutumiers ont commencé à vivre dans des villages en donnant gratuitement les parcelles aux gens. Et lorsque la province est venue, bon, la province devrait commencer par privilégier les premiers occupants, leur donner les documents, puisqu'il y a maintenant lotissement. Maintenant, à notre grande surprise, on est en train de ravir les parcelles à ces pauvres personnes qui n'ont pas de moyens. Puisqu'ils sont forts, ils vont là-bas, ils prennent les parcelles de gens, tout ça. Je suis saisi et j'ai reçu leurs documents. Je vais contacter les services attitrés et je vais aller jusqu'au parquet, puisque c'est le droit de l'homme. Tous ces gens doivent être réintégrés dans leurs droits, puisque ne vous en faites pas. Même si là, ils ont cité même le procureur général, pour ne pas mâcher les mots, ils ont cité certains magistrats à qui on avait donné le parcelle. Bon, ce sont les autorités, je vais les rencontrer. Et si effectivement, on leur avait donné ces parcelles, il y a même des fondations. Bon, je ne sais pas comment une autorité judiciaire peut avoir une parcelle là où il y a déjà une fondation et puis il prend. Je vais les rencontrer tous. Si effectivement ils ont mal acquis cette parcelle-là, les personnes seront rétablies dans leurs droits. Pour cette nouvelle affaire foncière dans la ville de Kalemi, une vingtaine de concessions n'est pas épargnée. Et actuellement, dans le quartier abattoir, l'insécurité se laisse sentir. Ce sont là les propos du chef de cette partie de la ville, Mukongo Omari Isidore. Pour lui, la multiplicité de cavernes serait la cause majeure de cette insécurité. Il a, durant cette même entretien accordé à votre chaîne, soulevé aussi les problèmes des manques d'eau potable. C'est un reportage de Céline Seloa Kolongo, Samuel Mwamba Rostand et Gilbert Kayumba. Dans la ville de Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, précisément au quartier abattoir,
plusieurs difficultés sont à noter. Les habitants déplorent la mauvaise condition de vie, le non-respect des jours de délestage du courant électrique, tout comme de l'eau potable. En dépit de cela, à chaque fin du mois, la facturation revient sur le même prix. Par surcroît, cette partie de la ville est remplie de buvettes communément appelées Kijé, qui favorisent la hausse du taux d'insécurité, comme nous l'a certifié Mukongo Omari, représentant du chef des quartiers abattoir. L'eau s'établit régulièrement ici. Les gouvernements provinciaux devraient disponibiliser un tuyau principal afin que nous ayons des robinets facilement. Et une année de même pour les courants électriques. Dans la semaine, nous en avons que pendant 4 jours. Mais à la fin du mois, nous payons la totalité de la facture. Et comme vous le constatez, aujourd'hui, c'est notre tour du courant, mais nous sommes en coupure. Nos députés provinciaux ne font presque rien pour résoudre ces problèmes. Monsieur le député, Antoine Atakitouiki, à l'époque, il y a Jozo, et peut-être Bitoukoune, ça veut dire qu'on a changé maintenant. Je me rappelle dans les temps des Zoé Kabila Mwanzambala, il avait refusé l'entrée dans la province du Tanganyika de toutes les boissons alcooliques. Mais actuellement, cette mesure n'est plus observée. Et d'ailleurs, ces bars au QG sont installés légalement dans ces quartiers parce qu'ils sont en train de payer des documents de l'État. Dans un endroit où il y a hausse du taux de la prostitution tout comme de l'ivresse, c'est vraiment difficile et presque impossible d'éliminer l'insécurité. Alors, nous sommes les plus chers documents à l'exercice. Il revient donc aux autorités compétentes à renforcer la sécurité dans cette entité et à prendre des mesures qui pourraient aider ces habitants qui sont entourés de ces buvettes qui le rendent une proie facile de voleurs. Le chef adjoint du quartier abattoir Mukongo Omari Isidore a également déploré l'extorsion et des braquages qui s'effectuent chaque nuit sur le pont Lukuga. À en croire ce dernier, les jeunes communément appelés Chege sont à la base de cette situation qui met à mal les usagers de ce tronçon. L'insécurité continue à se faire sentir dans la ville de Kalemie, dans la province du Tanganyika. Le jeune, communément appelé Chege, sème la terreur sur l'ancien pont Lukuga. Selon le chef adjoint du quartier abattoir, Mukonga Omar Victor, les cas d'extorsion et de braquage sont signalés chaque nuit sur l'ancien pont Lukuga. Après leurs opérations, ces jeunes, appelés Chege, se cachent rapidement en dessous de l'ancien pont. Au niveau du pont, oui. Et pourtant, ces ponts se trouvent seulement à proximité d'un poste de police. Ainsi, cet endroit est devenu dangereux seulement à partir de 19h. Les usagers de cette route demandent aux autorités politico-administratives de bien vouloir y trouver des solutions idoines. Autre chose à présent, mesdames, messieurs, une activité ayant pour but de sensibiliser les enseignants de la province du Tanganyika sur les pistes à suivre pour garantir une retraite honorable organisée par la CENSAP a été tenue ce mardi 19 septembre 2023 à l'hôtel Cham de Kalemie devant plusieurs invités de Marc Evran dans le secteur de l'EPST. Dieudonné Balanga Hardy nous donne l'essentiel de cette dite activité dans cet élément de reportage. C'est dans l'objectif de garantir aux enseignants de la République démocratique du Congo en général et ceux de la province du Tanganyika en particulier une retraite honorable qu'une activité de sensibilisation sur la loi numéro 22/031 du 15 juillet 2022 signée par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a été organisée ce mardi 19 septembre 2023 à Kalemie. Le temps où les enseignants pouvaient rester en poste jusqu'à leur dernier jour sur Terre, faute des capacités pour l'État, de leur assurer une pension des retraites, et désormais révolu. Plusieurs invités ont rehaussé de leur présence la dite cérémonie, entre autres le prophète de la province éducationnelle Tanganyika 1, l'IPP, les enseignants et d'autres personnalités œuvrant dans le secteur de l'éducation.
après la présentation d'une délégation venue de Kinshasa, composée notamment de Nzenza Jean-Denis, professeur de biologie chimie au collège Boboto, de Jean-Claude Oninga, c'est docteur Magali Hélène Mangobé qui a, dans son exposé, démontré aux invités les notions fondamentales de la sécurité sociale de la présentation de la CENSAP. Durant cette prise de parole, souligner que cette prise en charge effective sera marquée notamment par les débuts effectifs des retenues à la source sur les rémunérations des enseignants au titre des cotisations sociales. Prenant la parole, Jibikila Ingalamouloumé, président de l'intersyndicale de l'EPST Tanganyika, est revenu sur l'importance capitale de cette activité. Oui, au fait, pour ceux qui sont dans le secteur de l'EPST, c'est depuis le mois d'avril que nous avons été admis d'une manière officielle au niveau de la CENSAP. Après justement plusieurs années où les enseignants étaient en train de terminer la carrière et partaient sans pourtant avoir le droit à une retraite honorable. Donc il était question que cela soit régularisé avec une loi que le chef de l'État a promulguée depuis 2022 qui institue un régime de sécurité sociale d'une manière spéciale pour le personnel de l'enseignement, l'armée, la police et les magistrats et autres fonctionnaires qui sont payés par les trésors publics. Et pour nous, aujourd'hui, c'est une satisfaction parce que c'était important que nous soyons sensibilisés et que ça nous permette aussi de pouvoir transmettre cette information aux autres qui n'ont pas été avec nous pour qu'on comprenne justement que notre retraite est maintenant assurée. Il restera justement la question de la mise en œuvre qui a déjà commencé d'ailleurs parce que chez nous, dans la province du Tanganyika, bientôt plus de 28 personnes vont recevoir leur pension et leurs familles vont recevoir leur rente de survie. Et de cette occasion, nous profitons aussi pour remercier le chef de l'État, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour cette loi qui vient sauver l'enseignant aujourd'hui. Et on n'oublie pas aussi le ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, sans oublier aussi les DG Mata Junior de la CENSAP qui sont en train de se battre. Et si je ne remercie pas aussi les Warrior Tony Mwaba qui se bat aussi pour que l'enseignant puisse avoir une retraite honorable, ça sera ingrat de notre part. Les enseignants de leur part, à l'instar de Eustache Amani, secrétaire et rapporteur provincial du CINECAT, délouent cette initiative. Bon, nous avons des impressions qui sont vraiment imminentes par rapport à ce que l'État vient d'apporter comme innovation en termes de réformes dans le secteur de l'EPST. C'est-à-dire, il faudra que ceux qui travaillent dans l'EPST puissent aussi bénéficier d'une retraite honorable, une retraite digne, après avoir servi pendant autant d'années dans le secteur de l'EPST. Il s'agit là d'un coup de vent majeur dans les voiles de la gratuité de l'enseignement, dans la mesure où le rajeunissement de ces corps de métier est désormais possible grâce au départ à la retraite des anciens qui auront rendu des nobles et loyaux services à la nation congolaise. Les enseignants qui seront admis à la retraite seront désormais les bienvenus dans les installations de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, CENSAP, en sigle. Il s'observe depuis plusieurs jours dans la ville de Kalemi une énorme perturbation des connexions du réseau Vodacom, une situation qui préjudicie certains de ses abonnés. La Commission nationale de droit, la Commission plutôt nationale des droits de l'homme, CNDH, dit être au courant de la situation. Kaboul Dieudonné, qui en est le coordonnateur provincial, a précisé avoir déjà convoqué les responsables de ce réseau pour de simples explications, car a-t-il ajouté que cela va à l'encontre de textes légaux. D'ailleurs, ça tombe bien. Quand je vous parle ici, j'ai déjà établi une invitation aux responsables des Vodacom de Sili Academy pour qu'ils viennent nous expliquer. Ça, c'est une grande violation des droits de l'homme. Parce que quand quelqu'un achète les unités et qu'il ne sait pas utiliser ça, moi-même, j'ai connu des sérieux problèmes. Même pendant 3 jours, vous lancez les appels, ça ne passe pas. Vous lancez les messages, ça ne part pas. Ça peut faire un temps, ça revient et ça part. Nous ne savons pas c'est quoi. Ça préjudicie la population.
Donc, le responsable de Vodacom doit venir nous expliquer il y a quoi au juste. Sinon, la population risque de se révolter contre cette situation. La communication, c'est un droit. Et surtout que les gens payent. Ils payent les unités, ils payent les mégas, ils payent je ne sais quoi. Mais qu'ils payent comme ça, mais ça ne fonctionne pas. Non, c'est un préjudice. Ils doivent nécessairement venir nous expliquer pour qu'ils puissent trouver solution à ces problèmes. Sinon, la population risque de se révolter, contre ces réseaux Vodacom. Bon, c'est compliqué. Hein, c'est compliqué. Ils doivent d'abord venir expliquer cette situation est causée par quoi. Et s'il y a une perturbation des réseaux, ils doivent informer aux gens. Ils doivent informer aux gens que voilà, il y a une perturbation, il faut nous excuser, mais ils n'ont jamais lancé depuis. Il y a environ 2 semaines que cette situation persiste. Mais il n'y a pas un mot de la part du réseau Vodacom. Cela, ça nous surprend. Nous ne voulons pas que ça continue comme ça. Et en tant qu'avocat, nous pouvons intenter les actions contre Vodacom. Hein, c'est un droit, puisque les gens achètent les unités. Alors nous allons les appeler d'abord dans notre bureau de droits de l'homme pour qu'ils viennent nous expliquer effectivement il y a quoi, pourquoi il y a cette perturbation du réseau jusqu'à préjudicier les gens. Nous allons le faire. Vous savez, la CNDH a une force. Hein. La CNDH, si un responsable, on l'appelle, il ne répond pas. Et on va le prendre par force. Nous allons faire une réquisition au parquet et on va lui amener les mandats d'amener pour qu'il vienne répondre. Un homme âgé d'une 50aine d'années a été victime d'électrocution causée par les mauvais raccordements de câbles électriques dans sa parcelle. Celui-ci a eu la vie, sauf grâce à l'intervention de ses voisins. Dans la matinée de ce mardi 19 septembre 2023, un homme âgé d'une 50aine d'années a été violemment électrocuté par les câbles électriques dans le quartier abattoir sur l'avenue Cadastre. Nous sommes là, dans la commune de Lukuga. Selon la victime, ce drame est survenu quand elle voulait sécher sous soleil sa petite culotte sur un câble tendu et attaché sur les deux bouts. Malencontreusement, les fils à séchage en acier et les câbles électriques s'étaient déjà entremêlés. Une situation ayant court-circuité par le fait même, c'est des câbles qui ont par la suite électrocuté cet homme. Déjà, la fois, il y a force à les top. La Chine, la Saoudi, il a tout ici. Il dit qu'il y a ça, na. Donc, il y a des pics à mes toits. Si on pique à mes toits, il y a ça. Il y a des pics à mes toits. 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 En croire ce dernier, dans l'avenue Cadastre, le courant électrique n'est toujours pas stable, car les mauvais raccordements des câbles électriques provoquent des courts-circuits, ça et là, parfois, qui sont à la base d'électrocution sur cette avenue, ce qui indigne énormément les habitants. Les résidents de l'avenue Cadastre exhortent les agents de la Société nationale d'électricité, SNEL en sigle, de bien vouloir faire le suivi des raccordements des câbles électriques dans la ville de Kalemi. Les femmes revendeuses du marché Kaseke se plaignent de l'état dans lequel se trouve leur place de vente qui manque d'infrastructures pouvant les mettre à l'abri du soleil et de pluie, comme c'est le cas de tous les jours dans l'exercice de leurs activités de commerce. Les détails dans nos prochaines éditions. Et pour terminer, Goma, triste coïncidence entre la nomination du gouverneur AI et l'inhumation de victimes du 30 août. Sous ce titre du journal, le potentiel le plus commenté par les médias en ligne paru le matin dès ce mardi.
commémoration des victimes de la répression sanglante du 30 août dernier et le voyage de Félix Tshisekedi à New York sont au menu des journaux parus mardi 19 septembre à Kinshasa. Mesdames et messieurs, revue de presse. Le potentiel parle d'une journée de souvenirs et émotions en Nord-Kivu, celle du lundi 18 septembre, marquée par la cérémonie d'inhumation des corps des victimes des incidents violents du 30 août dernier. En outre, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, a précisé que le général-major Peter Chirimwami Nguba, désigné par un télégramme du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, comme nouveau commandant des opérations militaires au Nord Kivu, va en même temps assumer les fonctions du gouvernement militaire dans cette province. Cette nomination a mis fin aux inquiétudes qui hantaient les habitants de la ville de Goma et de toute la province du Nord Kivu sur la longue vacance depuis la convocation de leur gouverneur dans la capitale, commente le quotidien. C'est le vice-premier ministre de la Défense qui a pris un arrêté portant nomination d'un gouverneur militaire. Nous sommes dans un état de siège qui a ses exigences. Le gouverneur militaire étant appelé à Kinshasa pour une concertation, il n'était pas bon qu'il reste un vide, d'autant plus que le gouverneur a le rôle des commandants des opérations militaires, a expliqué Peter Kazadi, cité par la tempête des tropiques. Tshisekedi à New York, un autre sujet qui captive l'attention des journaux porte sur le voyage de Félix Tshisekedi à New York et aux États-Unis pour participer à la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Selon l'avenir, il prendra parole à la tribune des Nations Unies mercredi 20 septembre. D'après la cellule de communication de la presse présidentielle, le chef de l'État va rencontrer le secrétaire général de l'ONU pour évoquer la situation sécuritaire en RDC afin de mettre la communauté internationale devant ses responsabilités en vue de trouver une solution durable et parler de l'avenir de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation de la République démocratique du Congo, MONUSCO en sigle, annonce le journal. Cette prise de parole est très attendue dans la mesure où elle intervient dans un contexte national marqué par la tenue des élections présidentielles et législatives en décembre de cette année et par les effets tant néfastes que multiformes de la guerre des prédations menée par les Rwandais sous la bannière de leurs supplétifs du mouvement du 23 mars M23, renchérit la tempête des tropiques. Au siège des Nations Unies, poursuit la prospérité. Le président Félix Tshisekedi doit rencontrer en tête à tête le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, la situation sécuritaire à l'est de la RDC et le départ des casques bleus de la MONUSCO ne manqueront pas d'être évoqués. Le président congolais a aussi confirmé sa participation à une conférence de haut niveau sur le changement climatique et le crédit carbone d'après les tabloïds. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal des journaux. Si tu veux mourir tôt, mélange la pauvreté à la jalousie, puis tu ajoutes la compétition. Mesdames, messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci surtout à vous de nous avoir suivis et à toutes nos équipes rédactionnelles et également à la réalisation de Daniel Nakishuka. N'hésitez pas à rester pour la suite de nos programmes. À très bientôt. Merci.